そっか、どこ通るや。 Ben, je viens d'arriver à Bandundu, je suis encore ici à l'aéroport. Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Un pasteur entouré de ses confrères pasteurs qui va à la rencontre de ses brebis. Et dans le contexte particulier de cette visite, les pasteurs qui vont à la rencontre de ses brebis qui souffrent. Étant donné le contexte particulier de tensions communautaires, il est un devoir pour le pasteur d'aller vers ces brebis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il n'y a pas de convivialité. Et après avoir écouté, cherché la cause, en tant que père de famille, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble, sans qu'il y ait toujours des tensions. Éminence, vous êtes pasteur, et pasteur apporte un message. Le message que vous avez apporté à la population du diocèse de Kenge en général et de la ville de Manua en particulier. Mais la première chose, c'est mes remerciements, ma gratitude au peuple de Dieu qui est dans cette grande ville de Bandundu pour l'accueil réservé à tous nos frères et sœurs qui ont fui l'insécurité à l'intérieur et qui ont trouvé bon accueil ici. C'est d'abord la première chose. Deuxièmement, c'est aussi les leçons que nous avons à tirer de ce qui se passe, ce qui est arrivé ailleurs, qui a poussé nos frères à venir vers ici. Ça peut aussi nous arriver si nous ne tirons pas les enseignements de erreurs des autres. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à développer cette convivialité qui doit nous caractériser. Si je suis ici, c'est toute l'Église du Congo qui est là. Vous voyez vous-même, je ne suis pas venu tout seul comme cardinal. Je suis accompagné par votre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, qui est l'évêque du lieu. Je suis accompagné par Monseigneur Charles Ndaka, qui est mon vicaire général à Kinshasa. Je suis accompagné de Monseigneur Donatien Chollet, qui est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, comme vous le savez. C'est dire toute l'Église du Congo est avec nous.
Et c'est un signe de notre communion, de notre solidarité. C'est tous les pasteurs du Congo qui viennent au secours de leurs frères et sœurs qui souffrent dans cette partie du pays. Merci. Son Éminence, vous avez été personnellement en Kouamouti. Quel constat aviez-vous fait? J'aurai l'occasion de parler de mon constat quand j'aurai bouclé ma visite. Kouamouti n'était qu'une partie de ma visite. Je ne peux rien dire si je n'ai pas complété ma visite avec ce que j'aurai à voir ici et sur ma route de retour en passant par Massia Mbio. Thank you.
Dans la prise en charge des déplacés, nous remercions
les dossiers de Kevin à travers son évêque, Monseigneur Jean-Pierre Bamba, non seulement pour son implication personnelle, mais aussi pour sa présence physique plus d'une fois. Pendant cette période, en vue d'une issue favorable à cette crise. Nous remercions également les autres églises de la place, de l'ECC, l'église musulmane, l'église des réveils et toutes les personnes de bonne volonté qui ont fait preuve de leur fraternité envers nos frères qui se sont retrouvés ici. Éminence, tenant compte de votre rôle légendaire en tant que pasteur de l'église, la prophète de Kulu sollicite votre implication dans la recherche des vraies causes, afin d'en dégager des pistes de solutions pour mettre définitivement terme à ces conflits. Enfin, au nom de toute la population de Kulu, je vous souhaite à vous et à toute la délégation qui vous accompagne un bon et heureux séjour dans la ville de Matoulou, en plein diocèse de Kingi. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Sébine, que vive la province de Kulu. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, Monsieur le ministre, membre du gouvernement provincial, honorables députés nationaux, provinciaux, chères autorités politico-administratives et policières, à vos titres et qualités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une certaine émotion, une certaine gravité que je me retrouve ici aujourd'hui dans la ville de Bandundu. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'a rappelé, c'était déjà un projet pour moi de venir ici dans le cadre de ce que nous appelons une visite pastorale. J'ai toujours rappelé ça et j'étais heureux que Son Excellence lui-même revienne sur ses promesses. Mais si je suis là aujourd'hui avec mes confrères, les évêques qui sont là et l'ensemble des délégations qui m'accompagnent, c'est qu'il y a une situation dramatique, une situation urgente qui a fait que, au dernier moment, je puisse décider de venir ici à Bandundu. En même temps, j'accomplis ce qui avait été une promesse, mais dans un contexte beaucoup plus grave. Il n'y a pas que la visite pastorale où on vient, on rencontre les frères et sœurs, on rend grâce au Seigneur et voilà. Ici, le contexte est tout à fait différent. Il y a une partie de notre population qui souffre. Avec cette particularité que le problème qui se passe actuellement se déroule devant votre porte en tant que province, la province du Kwilu. Ne se passe pas dans le Kwilu, mais dans la province du Maïndombe, particulièrement ce territoire de Kwamout, qui, après ma dernière visite à Kwamout jusqu'à Massiakwa, m'a semblé être un territoire abandonné. Ce que ça donne, c'est comme une contrée de non-droit où chacun peut faire ce qu'il veut. Et les conséquences, malheureusement, c'est en termes de vies humaines, c'est en termes de maisons incendiées, c'est en termes d'une partie de notre population jetée sur le chemin. Face à cette situation, notre conscience de pasteur
nous oblige à aller à la rencontre de ceux et celles qui souffrent, mais aussi à la rencontre de ceux qui les accueillent avec générosité malgré le temps dur que nous vivons dans notre pays. Nous recevons des échos. L'accueil que vous réservez à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui arrivent ici. Sans faire trop de bruit, comme les organismes des Nations Unies qui vont faire du bruit dans le monde entier, nous nourrissons autant. Ici, c'est au nom de la charité qui vient du cœur, pour lequel je tiens d'abord à vous remercier. Pourquoi nous sommes là? Premièrement, c'est au nom de notre obligation de pasteur à aller réconforter ceux et celles qui souffrent. C'est une visite de réconfort, c'est une visite d'encouragement pour ceux qui sont vraiment découragés. Mais au-delà de cette visite de réconfort, c'est aussi la recherche des causes. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ce territoire de Kwamout. Pourquoi il y a autant de victimes? Pourquoi il y a autant de dégâts matériels? Pourquoi des hommes et des femmes sont obligés de quitter chez eux pour aller ailleurs? Donc, cet élément pour nous est capital. Et c'est pour cela que nous avons choisi de commencer notre visite par ici. Pour la simple raison que tout en sachant que Kwamout appartient à la province de Maïndombe, mais l'autorité administrative qui est proche de Kwamout, ce n'est pas Inongo, c'est Bandundu. Et les conséquences de ce qui se passe actuellement à Kwamout se fait plus ressentir ici, parce que c'est vers ici que les gens qui fuient l'insécurité débarquent. Sur la rencontre, nous attendons beaucoup de cet échange, c'est de nous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Pas seulement une description, mais ce qu'on peut appeler une analyse de cause à effet. Troisième raison de notre visite liée à cette deuxième, c'est la recherche de solutions. Une fois qu'on a tracé des variantes, une fois que nous aurons mieux compris qu'est-ce qui se passe, mais la question finale, ce sera: et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Des propositions pour aller à la rencontre de l'autorité compétente pour faire des propositions concrètes dans le seul souci d'aider le peuple qui habite cette contrée à retrouver la paix comme ça a toujours existé avant. Mais alors, en abordant le vrai problème, en analysant les vraies causes et en apportant des solutions qui soient vraiment des solutions efficaces. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi je peux le dire au nom de mes confrères qui sont là, que nous comptons énormément sur votre sens d'analyse pour nous aider à entrer aussi profondément que possible dans la compréhension de ce qui se passe actuellement. Merci encore à son Excellence Monsieur le Gouverneur pour ce mot d'accueil. Thank you.
bienveillance, viens esprit de douceur, éclaire-nous de ta lumière. Sous la Picture TV.